sucré. Bonsoir, chers téléspectateurs, je suis la seule de tout le pleu. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. Mes chers amis, je vous ai toujours dit, pour en prendre les bons conseils, il faut passer par Gourmet Sucré. Avec le Gourmet Sucré, c'est la seule lot de tout le plus unique à mon genre. Tu vas fouiller dans ce pays-là. Moi, je ne me mets pas nulle. Pour moi, mon Gourmet Sucré, les conseils que je donne, moi, je cherche à unir les gens. Je ne cherche pas à séparer. Restez toujours pour vous couiller, pour multiplier aussi le monde. Parce que là, Dieu ne peut pas descendre pour fabriquer encore. Il passe par un homme et une femme. Donc, les hommes, là, couillez-les. Les femmes aussi, écartées. C'est la seule heure de tout le pleu. Donc, je suis ce soir-là, je suis quand même, je suis venu là pour vous donner des conseils. Écoutez-moi attentivement. J'ai déjà dit dans ce monde-là, nous sommes dans un monde, respectez les hommes. C'est très important. L'homme aussi doit respecter aussi sa femme. C'est très important. Vous, les hommes qui aiment prendre 5 femmes, 6 femmes, pourtant, vous n'avez rien là. Les femmes ne sont pas des bouquets de fleurs que vous allez déposer dans vos jardins. Respecte la première. Si tu veux avoir affaire à une deuxième, cinquième époux, mais il faut respecter la première. La première personne, ça fait déjà une partie de ta vie. Mais il ne faut pas dire que tu as l'habitude de faire un coup avec elle, deux coups. Mais à un moment, tu arrêtes, tu ne peux même plus faire demi-coup parce que tu as une nouveauté dehors. Si tu es vraiment capable, les deux coups que tu as proposés à la première, il faut toujours faire les deux coups. La deuxième qui vient d'arriver, tu peux lui faire un coup et demi. Elle ne peut pas avoir le même coup que la première. Mais quand vous êtes, parce que quand vous êtes avec une deuxième femme, vous abandonnez la première femme. Moi, je vous supporte, hein, mais souvent aussi, vous déconnez les hommes. Sinon, je vous supporte. Hein, je dis, ah, sans l'homme, parce que je vous supporte. Pourquoi? Je ne veux pas que mes filles divorcent. Je ne veux pas qu'elles se promènent de homme en homme. C'est une manière de leur donner des conseils, de toujours rester fidèles à l'homme. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez maltraiter aussi les femmes. Souvent, vous maltraitez aussi les femmes. À cause de vous, souvent, les femmes, elles sont obligées d'aller vendre des sachets d'eau, de la banane sur la route, pour pouvoir faire quelque chose dans la maison. Mais aie pitié, un jour seulement. Souvent, la femme, l'homme est exagère. J'ai connu un couple, quand ils étaient ensemble comme ça, c'est une nouvelle femme, il va passer tout son cuir là-bas. Et quand il ne bande plus là, c'est là qu'il rentre dans la chambre de la nouvelle, de l'ancienne. Elle est passée, il ne peut plus rien faire. Elle aussi, il va la doigter. Tu n'es pas un infirmier d'état pour doigter quelqu'un pour voir si elle est en début de grossesse. On parle de pin, toi tu parles de doigt. Moi, j'arrête des gens qui doigtent les gens. Je commence à doigt, tu commences à faire doigt, il est mon frère. Quand mon nina entend les battre, si c'est à cause de ton doigt, là, il faut déposer. Parce que nina même sait, il y a Pine qui est là qui doit l'accueillir. Mes filles, mes soeurs, ne pensez pas que je vous agresse, je ne vous agresse pas. Mais écoutez-moi, pour une mère, doit toujours défendre la place de sa fille. Je fais ça pour que vos amis qui vous en prient de gauche à droite, il n'y a rien dehors, mes enfants. Il n'y a rien de tel quand tu es dans un foyer, tu es toujours avec le même monsieur. Il ne faut pas dire aujourd'hui, comme ça ne va pas, ça ne va plus aller. Le monde là, il y a le haut et il y a le bas. Quand souvent ça chauffe, tu deviens heureux jusqu'à un moment, même 100 francs, même tu ne gagnes pas. Dieu est en train de te tenter pour voir si tu l'écoutes vraiment. Dieu adore tous ses enfants. Nous, on pense qu'on est beaucoup, mais devant Marie et son fils Jésus, on ne vaut même pas deux personnes. On pense que la Côte d'Ivoire est grande, le monde est grand, mais chez maman Marie et son fils, on est petit comme ça. C'est pour ça que quand il fait nuit, la dame elle nous envoie tous. Pour ne même pas que quelque chose nous pique. C'est quand nous-mêmes on sort en bas du drap. Le comportement que nous avons sur la terre, ce n'est pas le comportement de Dieu. Dieu a dit il faut s'aimer, il faut te croiser. Mais Dieu n'a pas dit d'aller tuer, Dieu n'a pas dit d'aller voler, Dieu n'a pas dit d'aller faire du n'importe quoi. Ça, ce n'est pas le caractère de Dieu. C'est nous-mêmes, on fabrique notre caractère ici. Donc, les femmes, excusez-moi, je ne vous agresse pas. Je suis en train de vous dire reste avec un seul homme. L'homme adore quand on le maltraite. L'homme adore quand la femme, vraiment, il entend de te maltraiter, il faut le prendre comme ça. Parce qu'il veut dire qu'il est toujours le roi de la maison. Et encore, les jeunes, les enfants qui ne respectent pas les parents, ce n'est pas bien. Il n'y a pas de maman diamant ni maman l'or. Maman est maman. Il n'y a pas de pauvre mère sur la terre. Si la maman t'a béni, t'a dit, mon fils, vas-y, tout ce que tu cherches dans ta vie, tu vas avoir. Mais il y a des gens aujourd'hui, il y a des femmes même qui insultent les mamans. Il y a des hommes aussi qui insultent les papas. Il y a un homme qui frappe les papas. Si tu as frappé ton père, tu as frappé Dieu. Tu as insulté ta maman, tu es maudit toute ta vie. Est-ce que tu es maudit, Aya? La femme qui t'a fait sortir, tu vas l'insulter. Tu n'as pas vu Dieu. Dieu est passé par une personne pour te mettre sur la terre. Et c'est pour cela que ce soir, je suis là pour vous parler un peu. La seule ordre, vous allez fuir sur la terre ici. La seule ordre ne se met pas nuit, non.
Le corps d'une femme est sacré. Je m'habille comme maman Marie, si tout le monde m'appelle Marie. La femme, faut porter tes robes, non, tes soutanes aussi, garçon, va te prendre. Mais c'est vous-même qui faites que les garçons ne nous respectent pas. Les cuisses dehors ici, vos fesses dures là. Arrêtez d'emballer un peu. Et le baya, c'est le truc sacré. Baya, là, c'est sacré. L'homme doit découvrir pour dire, quand il tire le pain comme ça, bien le drap, tu attends zinqueque. Ça, c'est le bruit de baya. De baya. Mais vous ne faites pas ça. Au dehors, ça est ici. Là, tout ça, là, c'est pas bien. L'homme dit, il peut se promener nuit. Mais le corps d'une femme, il faut t'arranger. Et quand le départ, j'ai remarqué les filles d'Abidjan, quelqu'un qui t'invite, il ne sait pas combien il a dans sa poche. Lui qui t'invite, il est dans la sucrerie. Hein. Toi, tu prends du vin. Le vin qui fout des missions. Puis tu vas taper 3. Mais c'est obligé de te dire, j'arrive, je m'en ai téléphoné. Il va partir. Où il va enlever 7500? Pourtant, c'était causerie de 2001. Toi, tu es arrivé là-bas. Tu n'es même pas encore allé devant sa porte. Tu prends déjà le vin de 7500. Donc, quand il sera dans sa maison, c'est pour envoyer. Donc, tout cela, ça compte. Dans les foyers, là. Dans le départ. On ne se lève pas pour se marier. On ne se lève pas pour aller dans la maison de quelqu'un. Ce n'est pas le comportement. Il a dit, je l'ai étudié. J'espère qu'on peut quand même compléter. Mais vous, les femmes qui aiment faire l'époque, prenez 10 femmes. Il faut être riche pour faire ça. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, ils ont 2 femmes même. Les deux, elles sont heureuses. S'il a l'habitude de donner 200 ou 300 000 francs à la première, il va donner. Il a l'habitude de donner aussi 200 000 à la deuxième, il va donner. Mais vous avez les deux femmes, elles même pas les moins. Vous-même, vous payez Kabakou pour laver vos caressons noirs. Vous ne gagnez pas. C'est vous qui prenez enfin des gens pour les déposer comme les bouquets de fleurs. Quand vous vas à la psychologie, les femmes du lait sont courageuses. Ces femmes-là, je dois les remercier. Mais si c'est sur le soleil, elle va prendre un panier de coco sur sa tête. Coco, on ne peut pas soulever ça. Enfant au dos, pour nourrir l'enfant et pour s'occuper au moins de temps en temps. À vous, mes enfants garçons, les femmes payent vos transports. Reconnaissez ça aussi. Ce n'est pas parce que je vous dis, non, les hommes, les femmes sont comme ça. Non. Moi, je fais ça aux femmes pour qu'elles n'ont qu'à quitter dans l'affaire d'amitié. Parce qu'il y a des copines souvent qui donnent des mauvais conseils. Il y a des copines même depuis 2 ans. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit, s'il vous plaît, ça n'existe même pas. Si toi, au moins chaque soir, ça que la coin te fait, c'est go, go, faut te dire, alléluia. Tous les matins, il faut te mettre en genoux pour dire merci. Ce n'est pas tous les pines, on gagne comme ça. Hein. Il y a des pines maintenant, on les prend, on les bipe d'abord. On ne les prend pas comme ça, sans rendez-vous. Mais toi, au moins, ma fille, dans la maison, ton mari, même si tu as donné 1000 francs, il faut te dire merci. Tu es malade, il ne dort pas. Ah, ma femme ne se porte pas bien. Il va se promener partout. Vous aussi, entendez-vous. Le monde, on entend de finir. Regarde aujourd'hui, la seule loi, j'ai fait des enfants. Mes enfants ont fait des enfants. Les enfants ont fait des enfants. Je suis plus jeune. C'est parce que je m'entretiens. Pourquoi je vous dis, pourquoi la seule loi n'a pas vieilli? Je ne vieillis pas parce que j'aime la pipe. Elle est léger. Parce que c'est une pipe. On ne fait pas ça avec une force. Il y en a quand il veut te piper, tu ne fais pas attention. Nel qui va vers tes tissus là. Elle va te couper ça. Puis demain, tu as un problème de bavane. Alors qu'en pipant quelqu'un, il faut assouplir ta langue là. Il faut laisser ça léger. Là, tu prends la tête de la pine. Parce qu'il y a deux pines. Hein. Il y a des pines, on les appelle les plondeurs. Ça, c'est les pines. Ça, c'est pour règlement de compte. Parce qu'il y a longtemps, tu bouffes son agent. Donc, il est assis là, il entend de charger pine là. Fait, tu arrives. C'est quand on charge là. Pine de chargement là, ah, c'est pas comme pine naturelle. Parce que lui, il a grossi le cœur. Tu prends tes téléphones de iPhone ou bien quoi, phone là. 500 000, 600 000, il te dit rien. Logique va te prendre. Là, souvent, vous voyez les femmes dans la rue là. Elles sont penchées, elles n'ont pas modéré. Il y a des pines qui coupent les nerfs. Ce n'est pas modéré. Quand on te couille, là, vos nerfs sont penchés, vos couilles sont penchées au dehors. On dit, la vie, là, elle dit, ce n'est pas rien. C'est les nerfs. Donc, restez tout droit comme la seule loi. Mon âge, si je montre mes papiers, puis vous me regardez, vous n'allez pas croire. Donc, je dois dire, vous, les proclamés qui prennent 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, ça, ce n'est pas gentil. C'est de la saleté. Confie-toi au moins 1 ou 2. Et puis, il faut être capable de s'occuper d'eux. Fais comme M. Do Enes. Do Enes, il a 2 femmes, c'est un jeune. Il a Cyprien qui est sa première femme. Voilà la deuxième aussi qui est là. Il a dit, et les deux, il les met à l'aise. Il dit, mais je suis la première, c'est elle qui a la galerie avec moi. Je préfère rester avec Cyprien, mais la deuxième, de temps en temps, je suis là-bas. Elle aussi, je la respecte, il respecte les 2 femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il ne faut pas faire semblant, blaguer la première, aller chez la deuxième, finir tous tes jus qui ne sont plus à la mode là. Et puis maintenant, envoyez ton frogo dans la maison de la première femme. Bas Blofer, la seule, là où vous êtes invité au maquis, prends-moi par derrière. À Yopougon, entre l'église Baptiste et puis à Saint-Vont, vous arrivez, vous dites Carrefour, 100 pièces. Dès que vous êtes là, vous allez voir ma photo en grand.
le maquis prend moi par derrière. Et le maquis prend moi par derrière était installé d'abord à Lokwa. À Lokwa, je dis, tous les ébriers de Lokwa, je leur dis merci, tu es d'or. Sans oublier mes enfants de Lokwa, Mouna, je leur dis vraiment merci beaucoup. Grâce à vous, la seule, sa vie a repris. Donc, le maquis a été déplacé. Ça fait 2 semaines. Sans oublier, Bessakoul. Nous sommes dans un monde, quand je vous donne des conseils, il y en a qui me disent, hey, maman, tu passes au monde, on me maltraite aussi. Je fais ça, ma fille. Pour ne pas que tu ailles, tu dois revenir encore dans la famille. Mais l'homme te maltraite, il sait ce qu'il fait. L'homme ne peut pas te maltraiter, il ne peut pas te prendre pour te maltraiter. Mais souvent aussi, quand on fait comme ça, c'est qu'il fait qu'il énerve les hommes là. Ton mari t'a pris, il dit, moi, je n'aime pas les amis. Je n'aime pas où on fait bavardage. Tu as dit flin-flin, et puis tu es venu. Au dernier moment, on vient, on dit, maman est sortie, elle allait accompagner sa copine. Toi, on ne t'accompagne jamais chez toi, mais c'est toi qui t'accompagnes. Maman, où elle est chez la voisine? Il y a des voisines, mais tu vis avec elle. Ah non, c'est des maudiaïa. Parce qu'il ne faut pas te tromper le soir, t'asseoir devant ta porte avec une bouteille de vin et puis deux feuilles de salade avec un peu de rognon grillé à côté. Quand tu manges à ton mari, vous riez là, mais ça pèle les diables. Parce qu'elles ne gagnent pas. Tellement qu'ils ont mangé, Kourou, même pas fini, Kourou est devenu drap dans leur bouche. Donc, nous sommes dans un monde, quand ton mari te parle, il faut l'écouter. L'homme aussi, faut pas il y a des hommes qui insultent les femmes publiquement dehors. Tu es comme ça, tu penses que je peux aller avec toi? Tu es une femme bordel. À une mère, quand tu insultes la femme, tu insultes la maman, tu insultes les femmes en général, c'est pas bien. Regarde, j'ai une tante, pour la première, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais mis pied à Abidjan. Même tout le premier, elle est de Tambly. Ça, c'est mon village maternel. Elle vit là-bas à Kasbou. Elle a fait jusqu'à son enfant est devenu ingénieur en Côte d'Ivoire. Et l'enfant est marié à une femme bavlée. Donc, ils étaient en palais avec sa femme. Et c'est dans ça, la vieille, le monsieur aussi a envoyé une lettre à sa maman de rentrer. À l'époque, on fait 2 jours chez nous. On montait dans les cars à 22 places. Là. On fait 2 jours avant d'arriver à Abidjan. Le même moment que le monsieur arrive, le monsieur en palais, son fils en palais et la vieille. La vieille dit, aïe, bien, c'est mon arrivé là qui a fait ça. Le monsieur a commencé à insulter sa femme devant sa maman. Oh, quitte l'histoire de bordel. Là. La vieille, elle est là, elle pleure, elle ne comprend pas. Mais bordel, bordel, jusqu'à ils ont appelé, ils ont calmé. Il a appelé les gens, je me mets en genoux. Il attrape les pieds de sa main, il pleure, il dit, maman, pardon, on était en parlant depuis hier, puis tu es arrivé, vraiment, on te demande de parler. Non, je vais repartir, parce que ce n'est pas joli à voir. La femme, elle est sortie, elle a envoyé 2 complets de l'ordre. Maman, pardon, ça ne va plus se répéter. Donc, monsieur, allez au travail. Matin, maintenant, voilà la dame dort encore. Voilà la vieille qui va aller, elle tape à la porte de la femme. Blodet, Blodet, parce que quand son fils, il disait Blodet, quoi que c'est le nom de la dame là. Blodet, non? Blodet, point, oui, Blodet, il faut ouvrir la porte là, pardon, Blodet. Faut pas te fâcher, Blodet. La femme dit quoi? Blodet. Blodet, Blodet. La femme a ouvert, dit la vieille, il y a quoi? Elle dit, hein? Elle dit, elle comprend pas. Mais la femme, maintenant, qui court, qui s'envoie, maman, m'envoie une coulette à Bobo. Tu dis, ah, enfin là, c'est fini, mais la vieille, là, faut venir voir comment elle m'appelle dans la maison, là. Maman dit, comment celle-là, elle comprend même pas du là pour dire français, mais elle est en brousse là-bas. Tout le monde sait où elle est là. Elle est en brousse, mais elle marche à elle. Dans son coin, elle est où, là-bas. C'est rare qu'elle vienne chez nous en ville ici. La vieille s'en lui demander, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle, la vieille, a envoyé. Elle dit, ah, moi je m'en vais, les voix à faire d'Abidjan, c'est trop fort. La vieille dit, il y a quoi? Elle dit, je suis allée toucher à sa porte. Maman, tu as dit quoi? Oui, là, Blondet. Là, pour un il est Blondet, non? La vieille dit, tu as gâté à faire encore. Comment tu peux appeler la femme? Tu connais Blondet? Elle dit, mais depuis hier, je suis venu, c'est ça mon fils, il dit, c'est pas son nom. La vieille dit, maman lui dit, c'est pas son nom. Ça veut dire, elle est chez nous en guerre, ça veut dire Kaya, non? Elle, c'est une femme d'Angou. Elle dit, non, mon fils est maudit. Pourquoi il peut dire ça? Moi, je crois que c'est le nom en français de la dame là. Parce que depuis la blonde, elle l'a réveillée. Donc, il y a des mamans souvent, elles ne font pas exprès. Surtout cette dame là, elle ne comprend même pas un mot même. Donc, la dame était vraiment fâchée, elle a failli partir. Quand j'ai expliqué à son mari, les deux m'ont commencé à rire. Le quartier que la vieille habitait, elle arrivait là-bas. Quand elle passe la vieille, parce que les gens du quartier l'appellent Blondet. Elle dit, mon Blondet, non? Donc, c'était resté le surnom de la vieille. Jusqu'à quand elle voulait venir au village, elle a eu plein de dons. Les gens du quartier ont dit, allez-y, on dit, Blondet, ça va au village. Ils sont allés faire le don. Donc, les femmes, là, je vous supporte. Je ne vous supporte pas, hein, mais je supporte les hommes. Mais souvent aussi, les hommes, là, il faut qu'on vous parle. Respecte ta femme. Arrête de prendre la vie de ta femme, expliquer à tes amis. Il y a des hommes, quand ils sont pris à une femme, on dit, c'est une guerre. Il va voir ici, il va expliquer. C'est là, oh, c'est là, qu'est-ce que j'ai à foutre avec elle? Pourtant, tu as passé les nuits bien avec elle. Au dernier moment, si elle n'est plus avec toi, il faut quand même avoir un minimum de respect. Le fait que vous êtes nus là, il faut respecter la partie là. Sinon, après, tu peux se marier. Il y a des couples aujourd'hui, si l'autre est dans son foyer, l'autre est dans son foyer. Mais quand même, ils peuvent s'appeler pour se donner des conseils. Je connais des couples,
il n'est plus avec sa femme, mais quand sa femme a un problème avec son mari là-bas, le monsieur vient, et puis il, comme l'a fait, il dit non, il faut prendre ça comme ça, il faut laisser. Mais le monsieur, même sait que c'était son ancien mari, et puis il y a une attente. Il ne faut pas dénigrer la femme. Il ne faut jamais dénigrer une femme. Donc, c'est là le conseil que je voulais donner au public, à tous ceux qui m'écoutent, de loin ou bien de près, pour leur dire merci, parce que je vois qu'aujourd'hui, tout le plus avancé. Aujourd'hui, dans la vie, il n'y a rien quand tu reconnais. Il y a des gens, tu vas leur donner villa, quoi, ils ne te reconnaissent pas. Regarde des femmes, vous trouvez que je ne vous supporte pas. Regarde ce que vous faites souvent. J'ai vu un monsieur qui a pris une femme depuis CM2. Simplement, il a payé, bouge tout ça, il a payé pour aller au collège. Tu es devenu DG d'une société aujourd'hui. Et tu oses te dire carrément que le monsieur n'est pas ton genre. Ma fille, tout se paye sur la terre. Il n'est pas ton genre, non. Il n'y a pas de problème. Il a dit, il faut partir. Aujourd'hui, là, tant le goumet l'avait pris, il était devenu fou. Le goumet l'avait pris, il était devenu fou. Et en plus, tu n'as même pas pris bon quelqu'un. Un chauffeur, toi-même ton propre chauffeur. Le chauffeur aussi, avant de venir vers toi là, il avait sa petite copine. Et il dit que c'est ma copine de galère. C'est pas pour toi parce que tu as des immeubles partout. Moi, j'ai cousin avec ma copine. C'est pas à cause de tes milliards là que moi j'ai emmené. Le monsieur est parti avec sa copine de Yaoseï. Voilà, on t'a laissé. Toi encore, la même personne encore. Tu es encore tombé sur un jeune. C'est pas un con baladeur. Le con ne se balade pas. C'est un con classe. Un con sacré. On ne doit pas donner à tout le monde. Parce que tu penses que tu fais du mal à quelqu'un, mais tu te fais du mal toi-même. Quand les enfants vont demander, rien, il y a une fille, elle est un peu toc-toc, elle est chez sa maman à Kouido. Quand les copains de sa maman viennent faire la commission, maman, oh, tu as un petit bonhomme qui est venu ici, hein, parce qu'elle est un peu toc-toc. Donc elle dit toujours, maman, il y a ton petit quelqu'un. Maman, petit quelqu'un qui est venu, il est clair, hein, mais il y a un petit quelqu'un blanc qui est venu ici. Femme, il faut te faire respecter. On doit se faire respecter, partager l'amour. Beaucoup merci, beaucoup de bénédictions dans la salle, les caméramans, ceux qui font les films pour nous. Je leur dis beaucoup merci, qu'ils montent encore mieux que ça. Et qu'à la maison soit la lumière, que les enfants qui sortent là-bas, que tous les jours, ils vont à l'école, que vraiment, avec le père qui gagne, ils sont fiers de ça. C'est encore mieux que de compter sur quelqu'un. Aujourd'hui, voilà, il y a le directeur, qui est notre nouveau directeur qui est venu là, qui s'appelle Gervais. Je suis fier. Écoutez mes conseils, vous trouvez que souvent je suis agressif, mais ce que je dis souvent, c'est très important. C'est très important. À quoi accueillir à la maison les amis de ton mari, s'il n'est pas encore arrivé, il faut prendre les plans là, tu vas les déposer. Manger s'il vient après, il va se débrouiller. Parce que demain, s'il y a maman, c'est eux qui vont dire, ah, okay, nous, ça nous arrange pas, allons chercher la femme là. Mais si tu ne veux pas sentir les gens, tu ne veux pas qu'on s'approche, tu dis, quand on vient chez ton mari, on va venir prendre son argent. Si l'argent faisait valeur de quelqu'un, personne n'allait mourir sur la terre. Il y a des milliardaires, des kilos, des milliards de diamantaires qui sont partis. Ce n'est pas toi qui vends Gombo 25 là, tu ne vas pas partir. Chacun venait à LR. Et sans oublier Docteur Bao, un médecin, un grand médecin en Côte d'Ivoire ici, qui sauve tout le monde. Il faut avoir un nid de 50 sacs. Une minute, il va t'enlever ça. Tu vois un homme toujours qui n'est jamais fourré, c'est qu'il a un nid. Toujours sa chemise et robe de nuit là, c'est qu'il a un nid en bas. Quand tu vois un homme qui est là tout le temps, chaque fois seulement en marchant, il s'arrête un peu, puis il remet ses pieds là, c'est pour que l'air rentre un peu vers les testicules, parce que ça pèse. Les vrais t'excuses de Dieu et puis t'excuses de l'homme là, c'est pas la même chose. Je vais vous donner aujourd'hui le secret pourquoi les t'excuses sont en bas et puis pin en haut. Il y a un trait, non? Le trait qui est en haut que Dieu a cousu là. Vous pensez ces petits traits, ça c'est des kilomètres. Vous voyez, c'était une chose de t'excuses qui était en deuil. T'excuses a perdu sa maman. Une semaine, pin même n'a même pas appelé pour dire ah, j'ai appris que tu as perdu ta maman. Donc, voilà ce que t'excuses va faire. T'excuses dit excuse-moi. Comme je suis l'aîné, je suis tellement, il y avait du monde autour de moi. Donc vraiment, il faut m'excuser. Pin dit, d'accord, j'arrive ce soir à la veille. Très tôt, Pin s'est levé. Il est allé là-bas. Il arrive, dès qu'il a mis pied dans le village, il faut voir maintenant la chanson. Ah, Sregui, oh, Srekaka, Sregui. Pin est venu là, Pin qui est doux, elle est là-haut. Ah non, Pin est là-haut, Pin qui est doux, elle est là. Voilà Tescule. Tescule est étonné. Lui qui a perdu sa maman, qui regarde Tescule. Alors, Srekaka, Wada, Moho, Sregui, Anon Sregui, Waho, Sregui, Anon Sregui, Wala, Sregui, Srekaka, Waho, Sregui. Tout le monde, le village, les femmes là, supine comme ça. Jusqu'à 16h, ils ont commencé à envoyer de l'eau, puis ils vont se laver. Tescule est là, il dit rien. Quoi de sa maman, tout le monde est quitté. Tout le monde est parti vers Pin là-bas. Un jour comme ça, c'est là. Je vais vous dire pourquoi aujourd'hui, Asuna, Dieu a mis au monde là, Pin est collé. Avec Tescule, c'était collé. Je vous dis pourquoi ils sont séparés un peu. Voilà leur film. Maintenant, Tescule, Pin qui s'en va à Tescule. Tescule s'en va à Pin, pardon. Pin, bonsoir. Il dit, ah, bonsoir. Vraiment, Yako, il dit, c'est pas grave. Je vais te dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, toi, Pin, là, je ne serai plus collé à toi. C'est pour ça que quand vous êtes en train de... Et puis,
C'est qui fait du bruit pour ne pas que Pine va savoir qu'il entend le crier. Quand vous entendez Pau, Pau, ça c'est pas l'âme de Tescris. Il dit, tu ne vas jamais entendre que tu entends le crier. Donc tu as mis dans la cuisse de la femme. Tescris lui répond de un, tu attends Pau, Pau. Pau, Pau, c'est pas quelqu'un d'autre. Tescris qui fait son parable, Pau, Pau. Elle va dans, sinon Pine a une chanson. Annoncez-le, oh, annoncez-le, c'est le cas, annoncez-le, elle m'a dit, oh, c'est le gui. Elle m'a dit, oh, c'est le gui. Ah non, Pine, tu es doux. Pine comme ça, c'est ça, les gens sont pédés. Tu vois quelqu'un qui ne dit pas au verset, c'est un pédé. Parce que là-bas, la caca, mais pas 5 minutes, puis ça descend. Donc, restez toujours à l'émission Gourmet Sucré, tous les vendredis à partir de 22h. Prenez le 209, vous allez toujours voir la seule lore de tout le pleu, unique en son sien. Merci.